remercier d'être venu. Un petit message d'encouragement pour votre équipe, pour vos concurrents. Bon, nous, on va tout donner. On essaiera de faire la meilleure course possible. Là, on a fait Gymkhana, là, ça s'est pas très bien passé. On va essayer de se rattraper à la course. Bah, la même chose que lui, on a essayé de gagner. On est là pour gagner. D'accord. Chance aux autres concurrents aussi, évidemment. D'accord, je vous remercie. Bon courage pour la course. Que ça devrait bien se passer après quelques petits ennuis techniques, mais bon, il fait beau, la journée devrait bien se passer, donc on est confiant. Vous pensez arriver sur le podium? Ça on verra bien en temps voulu. D'accord, très bien, je vous remercie, bon courage pour la course. Ouais, bah je pense que on va essayer de faire meilleur, même si ça démarre pas encore. Je pense qu'il y a du bon potentiel. Au moins, on essaie de faire une belle de tour, mais bon, on verra ce qu'on pourra faire quoi. D'accord, et si jamais elle démarre, est-ce que vous pensez finir sur le podium? On espère. Enfin, voilà. D'accord, pas trop loin, vous disiez? Bah, en tout cas, c'est le meilleur qu'on puisse vous souhaiter. Merci beaucoup, monsieur. Now I've got to know. Une bonne participation ici pour notre première venue et on travaille pour que la course se passe au mieux et voilà, bonne chance à nos coureurs. D'accord, vous êtes très motivé alors du coup pour cette première? Oui, on a fait un long voyage de Bourges, donc là on est très motivé aujourd'hui pour participer, pour peut-être monter sur le podium. Voilà. D'accord, je vous remercie beaucoup messieurs, bonne chance à vous. In a body without a heart, I'm missing every part. Like a soul without a mind, in a body without a heart, I'm missing every part. Like a soul without a mind, in a body without a heart, I'm missing every part. Bah, on espère qu'on va bien s'en sortir et que le meilleur gagne. Moi j'ai surtout un message d'encouragement pour les autres équipes. Hein. Parce que vous voyez ce numéro là, il va gagner ce numéro. Ah il est censé avoir peur, ils sont censés avoir peur les autres équipes. On a failli pas être là mais là on est là et on va gagner, c'est sûr. Il fait bon en plus. C'est bon, c'est fini. Champion du run. Champion. En plus notre équipe s'appelle champion. Donc on va gagner, c'est sûr. Ils s'appellent pas les champions pour rien, de toute façon c'est sûr, donc ils nous ont donné le nom. D'accord, merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup d'être venu. Bonjour, alors j'aurais besoin d'un petit message d'encouragement pour votre équipe avant la course. Alors, on espère que tout va bien se passer, qu'on va faire une bonne course, pas de problèmes techniques et que le meilleur gagne. Ouais, le principe c'est de s'amuser et puis on est là pour rigoler et puis voilà, c'est tout. Les autres équipes ont raison d'avoir peur de vous ou pas? Non, ils ont pas raison, non. Non, non je pense pas, non. Non. On n'a pas un gros budget, ouais, elle avance bien, mais je pense pas. D'accord, bah en tout cas, merci beaucoup de votre participation, messieurs. S'il vous plaît, bonjour à tous. Merci d'être venus d'aussi loin de Belgique.
un message d'encouragement pour vos concurrents et votre équipe? Non. Ça va être... faire tout ce que qu'on peut. Oui. Vous pensez gagner? Oui, bien sûr. Peut-être. Peut-être, oui. D'accord. Merci beaucoup, messieurs. Bon courage. Messieurs, bonjour. J'aurais besoin d'un petit message d'encouragement pour votre équipe. Bah écoutez, nous on est venus pour s'amuser avant tout, donc tout c'est que ça se passe bien. On est peut-être un résultat, ça serait bien aussi, et on est venus pour s'amuser avant tout. Ouais. Est-ce que vos concurrents auraient raison d'avoir peur de vous? Ça, on verra bien en piste, on peut pas le dire. Après, c'est un sport mécanique avant tout, donc il y a plein de possibilités, plein de problèmes qui peuvent arriver. D'accord, très bien, je vous remercie, bon courage pour la course, messieurs. J'ai mouché avant. Bonjour messieurs, un petit message d'encouragement pour votre équipe ou pour les concurrents, leur faire peur? Ben, pour les concurrents, non, on n'a sûrement pas d'encouragement à leur dire, mais simplement de se méfier parce que on a une pocket qui est d'origine, mais on pense que bien emmené ça pourrait marcher, donc on verra. D'accord, donc vous pensez avoir une place sur le podium? On espère, on verra. On fera tout ce qu'on peut, tout ce qu'on pourra pour ça. Quoi. Très bien, alors je vous souhaite bonne chance, messieurs. Merci beaucoup. Bonjour. Alors j'aurais besoin d'un petit message d'encouragement pour votre équipe avant la course. Oui, bonjour. Ben, je souhaite que notre équipe parviendra à réussir cette compétition. Et vu qu'on a fait tout notre possible pour que la moto... sont en très bon état, bah on souhaite que d'arriver, l'essentiel c'est de participer. Après, de gagner, ce serait autre chose. D'accord, très bien, je vous remercie. Bon courage pour la course. Bonjour messieurs. Alors, un petit message d'encouragement pour votre équipe. J'espère qu'on gagne, quoi. Donc, il faut rouler vite. Hein. D'accord. Vous pensez être sur le podium à la fin de la course? Oui, on aime bien être au premier étage. À la première place. Très bien, merci beaucoup messieurs, bon courage. Bonjour mesdemoiselles, alors déjà merci d'être venues à la course. Un petit message d'encouragement pour votre équipe? Bah, on espère que ça va bien se passer, qu'il n'y aura pas de blessés, et puis on est là pour s'amuser aussi, donc bon, on espère pas forcément une victoire, mais que ça se passe vraiment bien. Quoi. D'accord, donc les concurrents, est-ce qu'ils ont raison d'avoir peur de vous ou pas? Oui, faut toujours avoir peur d'une équipe de filles, je pense. Tout à fait d'accord avec vous, mesdemoiselles. Merci beaucoup et bonne chance. Bien, bonjour à tous, on vous souhaite la bienvenue à cette manifestation des 24 heures de Gratte-Ciel, qui est une manifestation de convivialité entre tous les étudiants de l'UT Lyon 1 et des gens de l'extérieur qu'on invite volontiers. Ça consiste essentiellement en des activités spectacle et surtout une course de mini-moto, un challenge de mini-moto parce que ce n'est pas une vraie compétition qui concerne 25 IUT voire même des équipes étrangères parce que nous avons 4 équipes belges qui font le plaisir de venir nous voir de très loin. If you got my new
Eh ben, il fait chaud, c'est bien, il y a du monde. Ça évite d'aller en cours, c'est très bien. C'est très bien. Allez, qu'est-ce qu'il dit là-bas? Oui. Alors cette journée, c'est une grosse réussite, comme vous pouvez le voir. On félicite tous les étudiants, vraiment chapeau, c'est chouette, il fait grand beau. Un temps magnifique, des profs qui jouent de la musique et des motos dans combien? Un quart d'heure, une demi-heure, et c'est et parti. C'est quoi ça? Grosse ambiance! On va se présenter alors, vas-y! Alain Duvier, c'est vice-président du BDE-C3SI, donc venez, grosse soirée le mardi 4 avril. Mercredi? Eh ouais, mercredi. Grosse ambiance au Café Mode à Vieux-Lyon. Ça va être la grosse ambiance. Ouais, BDE-C3SI, bah, ça envoie de la grosse ambiance. Hein, comment tu t'appelles? Hugo Chanel, ouais, président. On va dire autre chose que grosse ambiance. Trouvez un autre mot, les mecs. Bonsoir, bonsoir. Il s'est pas présenté. Il fait de pas parler. Et moi, je m'appelle Florian Collet, vice-président communication. Puis grosse ambiance le mercredi 4 avril. Grosse ambiance, hein. Il y aura quoi d'autre? Grosse ambiance. Ok, il y aura grosse ambiance, c'est super. Beau temps, des étudiants très motivés, des profs, des personnels qui s'amusent autour, de l'animation, de la musique, du bruit, c'est super, on s'amuse bien. We'll be right back.
je rappelle à tous les pilotes que si la moto cale, vous sortez du circuit et vous rejoignez la zone des stands à pied, vous redémarrez dans vos stands. Yeah.
Il reste 5 minutes de course. Dernier tour. Merci à tous les étudiants qui sont venus nous rejoindre à la fois pour participer de toute la France puis même de l'étranger puisqu'il y avait des Belges, 4 équipes belges qui sont venues. Et puis merci à tous les bénévoles, les C3SI, les GE2I, les GMP, j'en oublie sûrement beaucoup, le BDE, le Magic BDE, les GYM, voilà, tous les UT Lyon 1 qui s'est fédéré autour de cet événement et qui a fait que c'était une belle réussite.
eh bien, on va aussi féliciter les gagnants quand même de ce qui n'est pas une course, mais un challenge de plaisir, c'est-à-dire les gagnants de course de mini-moto, qui ont assuré quand même le spectacle, avec beaucoup de passion et d'efficacité, non ? Et de spectacle. Et qui ont fait le spectacle. Site gratte-ciel, un des meilleurs IUT de France, que dis-je, le meilleur IUT de France, avec la meilleure grosse ambiance qu'on peut trouver dans toute la France. T'es pas d'accord, Brian? Alors je dirais que la grosse ambiance, avant d'être vraiment une soirée, c'est un concept. Exactement, c'est un concept. Parce que grosse ambiance n'est ni réelle ni fictive, mais elle existe. On sait pas comment la définir, mais elle est conceptuelle. J'ai envie de dire qu'elle n'est ni matérielle ni immatérielle, c'est un fait, c'est un tout. Ouais. Mais le principal à dire, c'est quand même que la grosse ambiance est à l'intérieur de nous tous. Ah, voilà. Exactement. Voilà. Merci Toulouse pour cette magnifique journée. Donc nous sommes contents d'avoir remporté à nouveau cette 7e édition du Challenge Proto IUT. Je vais donner la parole à mon team. À la coach. Bon, ben, merci beaucoup à Lyon parce qu'on a passé une très belle soirée. Et, on a passé une bonne course, je pense qu'on a fait un bon rôle. Et la prochaine année, ça sera à nous de l'organiser à Toulouse. Donc on vous attend tous avec un gros plaisir. Ok, we had a really great time tonight and to stay, and I think we made a good time. And well, next year it's in our city. And I hope you will be there with us. Bueno, hemos pasado un muy lindo día. Muchas gracias a todos porque nos han acogido muy bien. Espero que el próximo año estén en Toulouse con todos nosotros, disfrutando de un día magnífico como hoy. Y bueno, muchas gracias. Y en chinois. Bon, on voudrait déjà vous remercier parce qu'on a trouvé que la journée s'était très bien passée, c'était super bien organisé. La course était top, les animations étaient super cool. Voilà, on avait des petits problèmes pour la soirée, on n'est pas aussi, on n'est pas dans le thème, mais bon, c'est pas grave, c'est sympa, on est ici et on est content. Voilà, merci. Je peux sans seul. Non, on a passé une très bonne journée. Des gens très sympas, on a fait de belles rencontres. Je vais dire de plus. C'était excellent. Alors, franchement, mec, on a vraiment adoré. Voilà, on a passé une super après-midi et on a l'intention de passer une super soirée parce que c'est parce qu'on est tous ensemble. 1 à 3, à que Johnny, c'est tout. Et puis après, je vous présente, si vous voulez, je vous présente tout le groupe. Florian Chabert, le prêtre, Fabien et sa copine. Oh, y'a un micro. Oh, papou. Ça c'est la truite. La truite est voilà. Ça c'est le groupe 1 à 3. Alors la journée, ça s'est super super bien passé. On a organisé le challenge protoïté, ça s'est vraiment super bien passé. Il y avait vraiment une super ambiance de la part des IUT de toute la France qui sont venus ce soir, enfin cet après-midi. Et là ce soir, les filles sont ravissantes, les garçons sont bien habillés, donc il y a tout pour passer une super soirée, donc on est parti pour vraiment s'éclater tous ensemble. Bonne soirée. Bon, direct du gala avec mes collègues de C3SI. Bonne petite soirée en approche au gala de l'IUT. Après, soirée au Red Room. Je remercie toutes les personnes qui ont été là pour les 24 heures de gratte-ciel. Super ambiance, pas trop de dégâts, des bonnes courses, bon délire. Et venant en C3SI, c'est une très bonne section. A bientôt, c'était Romain. Is it justified?
to be more, what does it mean? Mass confusion is the key. I'm a state of misery. I don't know what we should be. Do you care to tell me? Care to tell me? De la journée, du gala, du repas que vous avez fait hier soir. Donc je vous prie de les applaudir pour les remercier. Donc ils ont fait ça dans le cadre de leur projet de deuxième année et ils l'ont fait magnifiquement, donc on les remercie. Et on espère que ça va pouvoir continuer. Ils ont placé la barre assez haut, je dis ça pour des voisins qui sont un petit peu dans le sud-ouest, juste comme ça. On va donc procéder à la remise de 6 prix différents. Il y avait un classement spécifique pour les véhicules électriques, une petite mention spéciale pour les équipes qui sont restées en panne pour faute de... défaut de dédouanement, donc en fait les pièces sont restées coincées à la douane, ça fait un mois, donc on a une petite pensée pour eux, ils sont restés presque dans les coulisses à cause de ça, mais ils ont quand même bossé toute la journée. Alors le premier prix ça va être le prix de l'écologie, comme disait monsieur Flamand, ça aurait pu être aussi l'équipe de Lyon mais qui n'a malheureusement pas pu courir aujourd'hui, donc on va décerner le prix de l'écologie. Ah, ah, suspense. Les 4 fantastiques de Belfort. Je tiens à remercier tout le monde. En priorité, monsieur Preux,
qui nous a aidés tout au long de ce projet. Après, mes camarades de classe. Merci à tous. Ouais, merci à tous aussi. Merci aussi. Un grand merci pour votre accueil. C'était une première et on reviendra. Distribuer, c'est pour la course d'endurance, dont j'appelle la team 45-1. Orléans, s'il vous plaît. Merci à tous, et puis je sais pas trop quoi dire, c'était vraiment une journée sympa. Et puis voilà. Allez, encore merci. Merci à monsieur Rousseau. Juste un petit mot, il s'avait fallu de peu, parce qu'avec les forfaits bonifiques des 30%, les filles de Toulouse sont arrivées à 4 tours derrière vous. Donc un petit applaudissement pour les filles de Toulouse. Si, si, vous voulez. J'en profite en plus avant de dire un petit mot, puisque l'année prochaine c'est elle qui organise. Prochaine, on espère faire mieux, ça va être dur, mais bon, enfin voilà. Et donc, ouais, bah, pour la course, on s'y attendait pas, au dernier moment, on s'est vu pas partir, donc ça fait plaisir. Voilà. Bravo! Je vais appeler à nouveau une équipe d'Orléans, le team 45-2, pour le Gymkhana. Je vais demander à l'enseignant qui est venu, Benoît Rousseau, de me rejoindre. Un petit mot ? Bon, ils sont timides. En tout cas, ils ont fait la route et pas pour rien. J'en profite avant qu'on fasse le classement général, donc 3, 2, 1. Pour remercier tous les bénévoles qui sont présents ici, les C3 ici, les GMP, les autres départements. Merci beaucoup pour votre travail, pour votre implication. C'est vraiment un plaisir de travailler avec vous dans ces conditions. J'appelle Edouard Anton pour la remise de la troisième place. J'ai le plaisir d'annoncer que la troisième place est décernée à nos amis belges de Gand. Félicitations. Bien. Et ils vont nous faire un discours dans leur langue natale, évidemment. Aan mijn feest, maar. Je pense que tu avais fini ta phrase, hein. C'est sûr, hein. Ah, c'est bien. Félicitations. Merci, bonsoir. Moi, au départ, j'avais demandé de décerner le prix féminin, mais les organisateurs n'ont pas voulu. Bon, j'en profite quand même pour les remercier, parce qu'il y a beaucoup de travail qui a été fait depuis des semaines, des mois, et puis ces derniers jours sur trimballer les pneus sur le parking. Donc, il y a eu un travail de longue haleine qui a demandé beaucoup de bras, et donc je remercie encore une fois tout le monde. Et donc je décerne pas le prix féminin, mais le deuxième de l'Eco Challenge, et c'est pour le Green Team de Mulhouse. Thank you.
Pour la coupe du Grand Prix, elle va être remise par Eza Chapman, qui est notre invité ce soir, que vous avez eu l'occasion d'écouter et qui va chanter encore un très bon pour nous ce soir. J'appelle le Team 45-1 d'Orléans. Faire une petite photo souvenir, donc les trois équipes, la première, la deuxième, la troisième, là devant, ici avec Elsa.